Voilà, je suis de retour. Je vais vous montrer quelque chose. Bonjour. Elle est là depuis tout à l'heure à attendre que je termine le live pour aller dormir. Allez, donc on va partir sur du Skywars comme on avait dit du coup. J'espère que cette petite pause vous aura permis de vous reposer un petit peu. Moi, c'est plutôt bon là. Tout est bon normalement. Donc on y retourne, allez, on va pas rester très longtemps sur du Skywars, je remets quand même un petit peu mieux mon casque, mais on aura juste le temps de découvrir, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bah alors là, il y a un petit décalage. Non, c'est bon, ça y est, je vous vois répondre à tout ce que j'ai dit. Donc c'est parti, allons-y, let's go, c'est parti les amis. Comme dirait une certaine exploratrice. Voilà, le chat qui fait tomber le micro. Hey, pas touché à ça, c'est mon jus de pomme. Alors, comment marche ce serveur? Je ne comprends rien à chaque fois que je me connecte dessus. Skywars, comment je fais pour savoir où c'est moi? Skywars, là-bas, je le vois. Oh, il y a la grosse tête de Fanta là. Je vais faire des cauchemars ce soir. Viens par là. Allez, arrête de faire tomber le micro. Allez, on va en Skywars, c'est parti. Ouais, sur Hypixel, les Skywars sont mieux. J'en sais rien, j'ai pas testé, j'ai même pas testé ici. Allez pas me dire que c'est mieux à droite à gauche, alors que j'ai même pas essayé ce sur ce serveur. On va voir ça. Jus de pomme framboise, même, pour ceux qui veulent savoir. Oh, j'ai perdu une vie. Comment ça marche, ça? Je suis pas censé me téléporter quand je passe à travers. Ah, si, c'est bon. Pourquoi je vole? Je vais dire bonjour à tout le monde. Hop. Alors, c'est parti. Comment on fait? 1, 15, 14. C'est quoi ça? Tour des mages. Lobby hub. On va aller dans le 86. C'est parti. Je ne sais absolument pas ce que je fais, mais je le fais. C'est parti. Waouh, c'est quoi ça? C'est du Skyward ça? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce mode de jeu? Je ne sais même pas à quoi je vais jouer. Faut aller au centre, c'est ça le but? On dirait du Hunger Game en fait. Mais y a des coffres à côté de moi déjà? Je spawn avec des trucs aussi? Je ne comprends rien, c'est parti! Attention! Ouf. Le petit TP là qui fait du mal. Ah, toc, 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 toc. Très bien. Ok. Opération chouette enclenchée. Hop, hop. Hop. Allez, on se met ça. J'en sais rien. Faut aller au centre, hein, de ce que j'ai compris. Parce que je viens de faire des conneries, là, non? Et si je tirais sur les mecs à la place? Mais j'ai pas de flèche, c'est cool. Ah, je vais aller voir ce qu'il y a en face. Ah, super. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis très mauvais ce soir, dis donc. Oh mon dieu, il y a quelqu'un en face. What? Le mec m'a one shot alors que j'avais mangé un pomme en or. Très bien. Très très bien. Très très bien. Donc en fait, il faut libérer son inventaire pour que lorsqu'on arrive au milieu, on puisse faire quelque chose, quoi. Parce que là, je suis arrivé au milieu et les bons stuff, moins de chance pour les retrouver avant de me faire exploser la figure. Donc ouais. C'est ça, c'est juste un Hunger Game totalement cheaté en fait. En plus, c'est de l'arnaque pour ceux qui spawnent en ligne droite, c'est tellement plus simple. Je comprends même pas comment j'ai été le premier à arriver. Deuxième, d'ailleurs, j'étais le deuxième. Bon, on va retenter, on va retenter. C'est bizarre, plutôt bizarre pour l'instant, ce que j'en pense. On va aller dans le 11. C'est la même carte? Ah, ça a l'air déjà un peu plus normal déjà. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est pareil, il faut aller au milieu. Ah, cette fois, il y a du diamant à creuser. Des ressources, et chacun spawn sur sa petite île. Pas un peu la même, on dirait du copier-coller là. Celle-là et celle-là. C'est du copier-coller tout ça, mes amis. Et on peut rejoindre les îles des autres aussi. Je les vois pas vraiment, mais. Oh là là. Ce spawn qui fait mal à la tête à chaque fois. Alors. Pourquoi j'ai des arcs mais j'ai pas de flèches? On va refaire pareil, la même technique, hein. Ça avait bien marché.
Et ben alors. Hop. 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 On me tire dessus. Hop. Heureusement que le mec n'est pas doué. Oh non! Pile quand je dis ça alors que j'allais sauter, il m'a touché. Bon, ça s'appelle du bon gros focus comme on l'aime pas du tout. On va retenter une dernière fois. Je vous avoue que pour l'instant j'ai du mal avec ce jeu. 91, allez, c'est parti. Ah! Au moins il y a des cartes différentes, ça c'est cool. Et là, c'est quoi? C'est des petits nuages? C'est de la neige? C'est mignon tout ça? C'est mignon, on dirait le petit royaume des Toupoutous là. Toupoutou. 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 J'espère qu'au moins vous connaissez un peu cette référence, sinon je me sentirais très seul à chanter un truc comme ça. Alors. Il y a trois coffres cette fois. Attention. Attention. Hop, 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 hop. En fait, il n'y a pas besoin de bien plus, hein. C'est suffisant ça. Les deux autres coffres là, on s'en fout. Ça va nous faire perdre du temps pour rien. Voilà, hop, hop. Voilà, ça c'est cool, ça c'est cool. Potion de soin. Mais c'est ridicule. Ce jeu n'a aucun sens. Ce jeu n'a aucun sens. Non, je ne comprends pas le but de ce jeu. En plus, ça coûte des vies de jouer à un truc comme ça, mais je comprends rien, moi. Je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt d'un jeu de PVP où on crève en 2 secondes. Ou alors je suis très mauvais, mais c'est pas possible. C'est quand même pas possible. Là, là. Bon, ça va, on a compris ma référence. Au moins, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Allez, on va tenter le dernier. Enfin, le dernier, je veux dire. On va tenter cette dernière partie. Je vais partir sur un autre jeu. Écoutez, si ça doit se passer comme ça à chaque fois. Mais il y a des gens qui ne voient pas le live. Attendez, je vais faire quelque chose dans ce cas-là. Je le ferai à la fin de cette game d'ailleurs. Parce que là, il y a des gens qui ne voient rien. Ah, mais en plus, quand t'as une underpearl dès le début, c'est quoi? C'est totalement cheaté, non? Wouh! Voilà, je suis au milieu. Mais c'est cheaté ça. Hop. Regardez, on a une épée. En diams. En plastron en diams. Hop. Un casque en diams. Ça ne se joue qu'à ça, ce jeu. Ça ne se joue qu'au fait que vous ayez une underpearl ou non, en fait. J'ai pas de nourriture. Ça va pas m'aider des masses, ça. Ce mec m'explose. Totalement. C'est longtemps que j'ai pas joué aussi. J'ai pas fait un petit peu de PVP. Bof, il est tombé dans le vide, lui. Aïe. Ah non, mais... Je me fais focus de tous les côtés. Potion de soin. De régène, je ne sais pas, il y a mon chat qui appuie sur toutes les touches de mon clavier à côté. Ça fait plaisir, pas du tout. Je ne sais pas où sont les autres ennemis, il y en a un là-bas, regardez. Il est tombé dans le vide. C'est lui, là, qui lui a tiré dessus. Des flammes, c'est horrible! Quelle idée de mettre des flammes comme ça partout! Il reste combien de gars là? Joueur 7? Il y en a un mec là. Oh non, j'ai sauté dans la lave! Mais lance l'underpearl, c'est pas possible! Ça a ouvert le coffre au lieu de lancer l'underpearl. Je ne sais même pas où est le gars. Mais arrête d'appuyer sur le clavier toi! C'est pas possible! Ça me fait bouger la souris dans tous les sens. Il est là! C'est bon, je l'ai eu! Bâton diams. Toujours pas de nourriture. C'est un jeu où il n'y a pas de nourriture. Mais j'avais un seau d'eau. Quel imbécile. Je fais n'importe quoi et pourtant je ne suis toujours pas mort. C'est plutôt cool. Si, de la nourriture. Miracle. Il reste encore 5 joueurs. Je ne sais pas où ils sont. Il y en a là-bas. Regardez-le. Il se croit caché. Il se croit en sécurité. Mais je contrôle le centre.
Et celui qui contrôle le centre, eh bah écoutez, c'est cool quoi. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Les enclumes à droite à gauche. Sharp S2. On va se faire du power aussi tant qu'on y est. Mais non, j'ai pas de lapis. On se fait pas de power du coup, tant qu'on y est. On va aller l'exploser avec une underpair lui. Hop! Il est mort. Magnifique. Ce fut rapide et efficace. Et sans douleur. Oh, un truc de soin. Une pioche. Une canne à pêche. On va relancer une underpearl. Je ne comprends rien. Mais écoutez, je suis toujours en vie. Attends, il n'y a peut-être pas besoin en fait. Attention. Très bien. Où sont les 4 derniers joueurs? C'est quoi l'IP du serveur? Il y a plein de nourriture. Mais ouais, mais j'étais aveugle. Oh, il y en a un là-bas, non? Ah, il y en a là. Ils sont deux, regardez, ils se sont regroupés. On va se les faire. Oh! 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 Victoire! Victoire! Je suis trop fort à ce jeu! Oh, tape là le chat. Là ouais, elle a touché le clavier la moitié de la game, donc je peux la récompenser. Oh! Mais c'est trop super ce jeu en fait! Mais ouais! Ça c'est cool! Donc j'avais dit que je lançais le player là pour tout le monde. Normalement ça va vous actualiser le player et au moins tout le monde aura le live. Attention, boum! Je suis même pas sûr de l'avoir bien fait. Je pense que c'est bon, je pense que ça a actualisé le live pour tout le monde. On va voir ça. Il y a un poulpe! Poulpe? Il écrit quoi là? Il écrit un truc. Pet de Lugu. Ça c'est un pet? Vous vous foutez de moi, c'est un poulpe. Alors à moins que ce soit un poulpe domestique. Ah en fait ça a lancé une pub à tout le monde aussi. Bon bah d'accord, écoutez, pourquoi pas. Bon bah au moins ça a actualisé le live pour tout le monde, hein, c'est déjà ça. Voilà, et puis tout le monde doit être de retour maintenant. Bon, alors j'ai lancé une pub en voulant actualiser le player pour tout le monde et ouais bah du coup mais Silverfish. Ouais, c'est bizarre cette histoire. Allez, on va se faire un nuage Sharon. Oui, j'ai attiré tout le monde dans le truc de Skywars pour aller faire un nuage Sharon. Voilà, je suis comme ça, moi. On va terminer la soirée sur un petit nuage Sharon. Oh, oui, c'est fun. Oh, appelez ça comme vous voulez. Building Games, dé à coudre. Là, il n'y a rien. Là, y a grosse tête de Fanta. Là, c'est Skywars. Fight Cube. Fight Cube, c'est quoi ce machin? On va aller voir. Finalement, on va aller tester ça. Fight Cube. Non, attendez, c'était pas la série trop bizarre là qui avait sur la chaîne de Fanta. Je le sens pas cette histoire. Je le sens pas. On va aller en UHC Fun. Survival Game. Ah bah non, bah tiens, on va tester ça. Je savais même pas qu'il y avait ça sur leur serveur. Survival Games. C'est un Hunger Game, ça, non? Je sais même pas. Y'a personne. C'est si nul que ça? Écoutez, y'a personne, c'est nul. On y va pas. Mauvais plan. N'allons pas dans le jeu. Pas bonne idée. On va aller en UHFN. Mais comment je fais pour savoir où est l'UHFN, moi? Je ne comprends rien. Suivons cette traînée de feu. C'est par là, c'est ça? Petite flamme? Tu m'indiques l'UHFN? Non, pas du tout. Survival Games. Pas du tout. Ah, la tête de Bob. Ah, c'est bon. On y va. C'est parti. Donc je vais vous attendre un petit peu, qu'on puisse tous rentrer dans la même game. De toute façon, avec le temps que j'ai mis à rentrer dans le mode de jeu, vous êtes déjà là. Je comprends pas par contre non plus le délire des plus grandes constructions. À quoi ça sert par exemple? Ça sert à quoi d'aller là-bas? Ça fait des bonhommes.
Bon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à que dalle. Merci Lupio de modérer un petit peu. Alors, attention, faites chauffer vos claviers, vos souris. On part pour la game du siècle en UHC Fun. On va rentrer dans l'UHC. Attention. Un petit peu de suspense. UHC 9, c'est parti. UHC Fun. C'est parti. Waouh, il y a un anti-cheat. Si, il s'appelle Brobot. Brobot, l'anti-cheat. En fait, c'est parce que t'es là. Sinon, c'est serveur et à la ramasse. Il n'y a que 10 personnes dans chaque jeu. Bah, j'en sais rien, moi. Écoutez, j'en sais rien. Je suis pas. Pour vous dire, il y a des jeux que je connais même pas encore sur ce serveur. Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous aimez pas sur ce serveur, si vous voulez. On va en parler un petit peu. Moi, je suis ouvert à avoir votre avis. S'il y a des trucs que vous aimez beaucoup sur ce serveur qui devraient être sur d'autres serveurs, dites-le. Et s'il y a des trucs que vous trouvez juste horribles et qui vous font fuir ce serveur, bah dites-le aussi. Il y a Ares quelque part. Ah ouais, il y a Ares. Oh là, mais c'est bidon ici, non? Oh, c'est quoi ça? Ah! C'est louche. C'est louche cette histoire. Que s'est-il passé? Allez, c'est parti, on y va. C'est parti. Il y a des structures bizarres partout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous comprenez rien au serveur. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on est quand même très perdu dès qu'on arrive... Voilà, un chat. Dès qu'on arrive sur le hub, on est perdu. Où est mon chat, d'ailleurs? Il est disparu. Lui aussi, il est perdu. Oh, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ah, c'est louche. On va aller voir cette fusée. Mais non, c'est dehors. Bon, tant pis. C'est Fanta. C'est Harry Potter. Mais qu'est-ce que c'est? En plus, il y a le PVP dès le début. Faut faire attention. Il va vouloir me tuer, lui. Courez. Vite. Aïe. Je me suis cassé une jambe. Courez. On va le semer. Voilà, il est derrière. On va tenter un truc. La technique de l'omelette au fromage. Attention. Technique de l'omelette au fromage. Hop. Omelette! C'est parti! Tu vas la bouffer ton omelette! Yeah! Opération omelette réussie. On va pouvoir aller voir calmement ce qu'il y avait à l'intérieur de ce sorcier gigantesque. Mais oh, mais laissez-moi monter. Pas possible ça. Alors, Harry Potter, que fais-tu là? Aïe! Il y a de la ficelle, ça peut permettre de faire des arcs. Oh, mais il est creux. Faut aller voir la tête d'Harry Potter. Alors là, je vois quelqu'un qui fait son rabat-joie. Je ne crache pas sur le serveur, je critique ce qu'il a critiqué. Et je dis ce qui est bien quand c'est bien. Donc notamment, bah, je m'amuse. Hein. Écoutez, je ne serais pas sur Fantabo World depuis 40 minutes si je m'amusais pas. Faut arrêter d'exagérer. Et si on n'a plus le droit de critiquer, mon mec, bah, je ne sais pas. Tu vis dans un monde de rêve. Hein, si tu vis dans un monde où la critique est interdite... C'est beaucoup trop fort tout ça. Voilà, ça me détruisait les oreilles. Ouais, dans la tête. Dans la tête, il y a un truc. Oh mince, il faut que j'y retourne. Je vais mourir de faim, moi. Biome pourri. Allez, c'est pas grave, on s'en va. Biome de diams dans sa tête. Are you serious? La baguette, c'est un bloc de fer. Mais ouais, mais bon, bah, j'y retournerai quand j'aurai de la nourriture. Je note, j'y retourne. Il faut que j'ai de la nourriture avant. Je vais devoir manger des pommes. Encore, il y a des arbres partout là. C'est quoi ce délire? Il y a des structures dans tous les sens.
Allez, donnez-moi des petites pommes là. Avant que je m'écroule. Biome caca. Surveille ton langage, Ares. Tu risques de te faire bannir de ce serveur. Bah. Au calme, ça a mangé mes deux pommes. Oh, c'est quoi ça? Oh, ça va, j'en ai du bois. Une petite maison. Toute mignonne, toute gentille. C'est quoi ça? Ok, y a rien du tout ici. Bon, y avait des livres, mais... Je cherche de la nourriture, moi. Pas possible, ça. Allons voir là-bas, dans ce machin bidule. Y a tellement de structures dans tous les sens, dans ce biome. Y a peut-être de la nourriture là-dedans. J'ai l'impression qu'on peut passer par le milieu du truc, là. On va aller voir. Qu'est-ce que c'est? Regardez, il y a une grotte en dessous. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez, on monte, c'est parti. C'est parti. Ouais, le son des morts est un petit peu fort, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est les hostiles créatures. On va pouvoir baisser le son de ce machin. Bon, sauf que du coup, on entendra beaucoup moins les monstres, mais bon. Au stade où on en est. Mais où est-ce que je suis? C'est quoi ce délire? Allez, des pommes. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire dans cette game. Oh, ça a même pas cassé l'arbre. Ça a même pas cassé l'arbre. Ah, des pommes. Je suis à la recherche de nourriture depuis déjà 5 minutes. 5 minutes que je cherche de la nourriture. À casser des arbres à la chaîne. Je vais me faire une hache parce que là, d'ailleurs, ça commence à plus être trop possible, cette histoire. Hop, très bien. Avec le nombre de bois que j'ai sur moi. Bon, c'est pas mal. Il me faut un peu plus et j'irai sous terre ensuite. Il y avait un bloc de diams dans la tête de Bob. Ouais, mais on n'a pas vu de Bob pour l'instant. Ça, ça a l'air cool. On dirait le coffre-fort de Picsou. Je sais pas ce que c'est. On va aller voir aussi. Mais qu'est-ce que... Mais ça loot rien, ces arbres. Allez, lootez-moi des pommes. Un robot. Il y a des enclumes partout autour de ce robot. C'est cool ça, on va prendre une enclume. Ah, une pomme. On va aller prendre une enclume là-bas. Faut que je me fasse une pioche. Hop. Hop. Je sais même pas si je peux avec une pioche en pierre. On va essayer. On pourra faire du kill à l'enclume là. Ça c'est pas mal ça. Oh, des blocs de... De quartz. Oh, il y a un truc dedans. On va aller voir. On va aller voir, on va aller voir. On dirait un Metal Gear. C'est le robot de Metal Gear Solid. Oups. Du bloc de fer là, il y a du bloc de fer. On prend un petit peu de fer. On fait tout notre stuff sur des structures générées en mode totalement what the fuck. Allez. C'est pas mal. J'avais pas posé une petite table de craft dans le coin là-bas. Ça fait combien de temps que t'es co? Je sais pas, j'en sais rien. Ah, ça c'était nul, voilà. Pas mal, pas mal, pas mal. Allez, hop, un petit stuff. Comme ça, si jamais on croise d'autres personnes, on pourra leur résister. On se fait une épée. Voilà. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Full stuff faire. On est bien, on est bien, on est bien. On va aller faire du kill. Ouais, tout le monde doit être sous terre, là, maintenant. On continue de se balader, on continue de se balader, du coup. Toujours dans ce biome. Mais tout le monde est pas dans ce biome bizarre ou quoi?
Si c'est le cas, ça veut dire que tout le monde sera à court de nourriture et... C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de gens qui crèvent d'ailleurs, c'est que... Tout le monde doit se balader à la surface comme moi et... Et galérer à trouver de la nourriture et doit se taper dessus, tout ça, ça doit être pour ça. Si j'étais toi, je me gouillerais un petit peu parce qu'il te reste que 12 minutes. Bah ouais, mais là, je vais... Mettez-vous à ma place, je vais sous terre, j'ai pas de nourriture, je tiens quoi? Je tiens 3 minutes avant de mourir de faim. J'aimerais bien, moi, me grouiller, aller me faire mes enchantes et tout ça. Vous êtes drôle, vous. Aïe. Si on casse le bug du haut, ça casse l'arbre aussi? Ouais. Puis franchement, je m'en sors bien, regardez là. Je suis dans les 6-7 derniers, je m'en sors bien, ça va. Ça, c'est un dragon. Un zombie. Ah, une grotte. C'est quoi ça? Ah! Non, c'est rien. Mais c'est rien, ça non plus. À quoi ça sert de mettre des structures comme ça? C'est louche. C'est louche, c'est louche. Ah, oh, ça y est, un biome potable, on va l'appeler comme ça. Est-ce qu'il me faut du cuir? Il me faut des... Enfin, vous vous rendez pas compte de tout ce qu'il me faut, là, pour gagner. Vous êtes bien gentil à me dire de me grouiller, mais... Oui, je peux pas mourir de faim, je sais bien. Je tomberai un demi-cœur, mais bon, un demi-cœur... Ok, j'ai une pomme, mais je préfère éviter de tomber un demi-cœur. Hein. D'ailleurs, je vais garder mes 3 pommes, là, je vais essayer de trouver de la nourriture dans la... dans la forêt. Elles sont grandes les cartes, non? Alors... Ah! Du lapin. J'aime pas trop ça. Est-ce qu'Ares est toujours en vie? Ouais, il est toujours en vie. Ça, c'est très très bien. Mais on va trouver notre nourriture avant. Ça aussi, c'est très bien. Nourriture, quoi. Où est-ce qu'on va trouver ça? Là-bas, il y a un truc avec des pastèques. Putain, mais c'est Grotland, ici. Non, pas le Groenland. À ne pas confondre. Bonjour, madame la petite pastèque. Vous me faites de l'œil. Parfait, c'est pile ce qu'il me fallait. Il y a un hélico de secours, vous pensez qu'il y a quoi? Il y a des potions de soins dedans? Je vais aller voir. Oh, mais il y a quelqu'un qui spawn pas loin là. J'ai couvert une table de craft. Je pense que quelqu'un est déjà allé dedans. Allez, on va passer par... On va descendre dans les grottes. Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit peu plus de pastèques? Ça va descendre très vite quand même, cette histoire. Non. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Ne nous plaignons pas. Il y a de l'XP là. C'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment passé il y a pas longtemps. Il a posé des petits cubes et tout, il est parti là-bas. On peut le suivre à la trace. On va aller dans notre grande grotte qui descendait là-bas. On va prendre de l'eau avant. Je sais pas si c'est important. Allez, on va aller dans la grotte qu'on avait croisée tout à l'heure. C'est parti. Des citrouilles. C'était là. Allez, on y va, c'est parti. C'est parti, c'est parti, on y va. Let's go, let's go, let's go. Faut être efficace maintenant, faut être efficace. Allez, on descend. Voilà la grotte. Soyons efficaces. Une belle petite grotte. UHC Fun, ouais, en effet, on est sur Fantabo World, on fait de l'UHC Fun. Putain, pourquoi je me prends du fer, ça sert à rien. Allez, on descend, on descend, on descend. C'est l'habitude, mais je suis déjà full stuff fer.
diamant. Il y a de l'or. Si, faut juste que je me fasse une pioche. Pas du tout ce que je voulais faire. Hop. Toc toc. 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 Ah, faut que je me débarrasse de tous ces trucs là. Allez, on est bien là, on est bien, on est bien. Hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, et hop. Tant qu'on y est. Allez, c'est parti. On peut y arriver, on peut gagner cette game. J'ai foi. J'ai foi en mes capacités. Oh là. Diamant. C'est parti. On y voit pas grand chose, mais ça devrait suffire. Je suis nouveau, tu peux me dire bienvenue. Non, je ne te dirai pas bienvenue. C'est une grotte. Comment ça, vous aviez déjà compris que c'était une grotte? Bonjour. Bonjour. Aïe. Ce zombie a beaucoup trop de vie à mon goût. Je pensais qu'il serait mort et je me suis avancé, mais alors qu'il avait une armure. Bon, c'est pas très fructueux, mais au moins on a de quoi faire des petites pommes. Je vais la manger, ma petite pomme d'ailleurs, je pense, bientôt. Allez, on se prend de l'or. On fera des pommes avec. Il nous reste 5 minutes, on peut peut-être trouver un peu plus de diamants. On explore les petits tunnels. Bon, c'est pas les tunnels les plus intéressants. Ça brille ici. Ok, c'est juste moi qui ai posé une torche. C'est pas grave. Encore un petit peu d'or. On va transformer nos pommes. On a de quoi en faire deux. Je suis bloqué. C'est bon. Non, c'est pas bon. C'est bon. Je suis débloqué. Encore un petit peu d'or. Bon, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'on va la gagner, cette game? Moi, je trouve qu'il y a très peu de diamants. On va manger un petit peu notre pastèque. Je suis en train de dire un petit peu ce que vous racontez, mais... Pour jeter un stack de bloc entier, il faut faire CTRL plus ta touche pour jeter. CTRL plus ma touche pour jeter, voyons voir. J'ai jamais essayé de faire ça. Ah non, ma touche pour jeter. Ah, bien. C'est un truc que j'aurais oublié demain, mais c'est pas grave. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. On en apprend des choses. Un petit saut peut-être. On va se poser une petite table. Hop, on va se faire un petit saut d'eau. Et quelques pommes là. Voilà, on en a 4 maintenant. Bon, 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 bon. Je voulais faire mon petit stuff en diams, mais... avec le peu de ressources qu'on croise... ça va pas être simple, hein. On va se balader en courant. En espérant trouver du diamant. Niaou, niaou. C'est quoi ça? Allons-y. Hi Kerox, bon courage pour cette UHC fun, merci. Oh, j'ai cru voir un gros minet. Non, j'ai cru voir un pseudo là-bas. Aïe, ça m'a l'air pas mal ici. Ça m'a l'air pas mal cette zone.
Ça m'a l'air pas mal. Il y a beaucoup trop de blaze, hein, du blaze dans tous les sens. Waouh, regardez-moi ça quoi. Vous avez vu ça? Ce nombre de blaze pas trop abusé là? Y'a tellement de blaze qui s'entretuent. Ils prennent des dégâts dans l'eau. Ok, ok. Par contre ça doute pas de blaze rod hein. Un peu de l'arnaque tout ça. Rembourser la blaze rod. Ah, ça fait mal en vrai un blaze hein. Sans forcément prendre feu. J'ai eu combien? J'en ai qu'une seule là. Ah bah purée. Voilà, je suis en feu maintenant. Aïe 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 aïe, mais y'en a trop. Y'en a beaucoup trop. C'est du délire. Je me fais maltraiter. Beaucoup trop de blaze. Il ne loot rien en plus. C'est quoi cette arnaque? Oh là 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 là, je me fais mais maltraiter par les blaze. Il reste que 30 secondes pour trouver une deuxième blaze rod hein. Je dis ça, je dis rien. Ah c'est bon, on l'a eu. On se barre d'ici. Aïe. C'est bon, j'ai dit que je partais. J'ai pris qu'une seule verrue. Voilà un petit peu plus quand même. On va en prendre 3. Aïe. Y'a quoi là-dedans? 10 secondes. Mais ça sert à rien, c'est de la déco. Allez, on va être TP. Ah bah dis donc. C'est fou cette histoire. C'est fou, c'est fou. Toc. Ah non. C'est vrai qu'il y a les bords qui vont se rapprocher. On va se rapprocher un petit peu nous aussi du coup. Pour pas se prendre les bords. Allez, on va faire ça ici. Allez, on est bien, on va la gagner cette game. On va la gagner cette game. Oh oh. Bah. Ok, j'ai cru que ça marchait pas, mais si c'est bon. Ça passe, ça passe, ça passe. Vite, 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 avant qu'ils reviennent. On se prend les potions de force. Hop. Ça va durer 2 minutes 50, ça va. On en a assez. On va prendre une speed aussi. Il est là-bas, hein. Il est là-bas, il nous regarde. Il nous regarde. Que devient notre Fluffy national? Écoutez, pour l'instant, il dort dans sa petite niche. Oh là 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 là. Plus que 3 adversaires. Arrête, c'est mort. Ça court, ça court. Ça va se taper dessus là-bas. Allez, c'est parti, on y va. On y va, on y va. Il faut sauter parce que c'est une speed 1, donc sauter, ça sert. Oh, le mec est en diams. Le mec est en diams. On va le distancer, on va prendre les pommes.
Ah. Oh, je les ai pas ramassés. Oh non, la blague! Pourquoi j'ai pas ramassé les pommes? J'ai ramassé tout sauf les pommes! Ouais, du coup, j'ai aucune chance, hein. En plus, il y a les potions lui aussi, j'ai l'impression. Pourquoi j'ai ramassé tout sauf les pommes? Du coup, lui, il est passé derrière, il a ramassé les pommes aussi. Allez, on va tenter le combat, mais. Ouais. J'ai ramassé tout ce qu'il y avait sur le cadavre, sauf les pommes en or. En plus, le mec, il devait en avoir. Ah, si, regardez, elles sont là! Regardez-moi ça! N'importe quoi! Mais bien joué, de toute façon, je pense qu'il avait les potions aussi. La pomme aurait pas non plus changé énormément de choses. Mais en soi, je l'avais distancé assez pour prendre ma petite pomme et tenter un vrai fight. Là, c'était pas top top quoi. Le fait que j'ai pas ramassé les pommes sur le cadavre. Ça va, j'avais de la place dans mon inventaire quand même, faut pas déconner. Non, j'ai ramassé que des trucs bidons. Eh bah écoutez, on était quand même avant-dernier. Donc, petite finale. Je lui ai mis 2000 coups d'épée, il a rien eu. Bah en même temps, il était full staff diams et tout, enchant, potion. La totale, le mec était sûr de gagner. Puis j'avais pas de bouffe, c'est vrai aussi. PVP sans bouffe. Malheureusement, je pouvais même pas courir, quoi que ce soit. Mais bien joué à lui en tout cas. Hein, les yeux à Sharon, ça joue aussi sur la chance. Vu que c'est des jeux très rapides, il faut avoir la chance de trouver des petits diamants. On va s'arrêter là pour ce soir. Ah bah purée, on a quand même livé pas mal, hein, jusqu'à minuit. Merci en tout cas d'avoir été présent, j'espère que ce petit live vous aura plu. On a commencé par du Hearthstone et puis on est parti sur un peu de Minecraft. Je vois très bien que le Minecraft plaît plus, il y avait moins de gens au tout départ du live et beaucoup plus de gens maintenant. Mais c'est, moi j'aime bien varier un petit peu, je me limiterai pas à Minecraft même s'il y a plus de gens. Donc n'hésitez pas vous aussi peut-être à vous intéresser un petit peu à ce qui se fait à côté. Merci à tous ceux qui ont fait des dons durant la soirée aussi, vous avez été nombreux ce soir à faire des dons. Ça servira du coup pour l'aquarium encore une fois, j'avais expliqué mon petit projet. Il arrive mercredi. Faudra attendre une semaine ensuite. Là en fait il y a eu juste assez de dons pour financer l'aquarium. J'avais mis un petit peu de ma poche aussi pour l'acheter. Enfin l'aquarium et je crois qu'il y a peut-être de quoi prendre un ou deux poissons mais c'est tout. Donc vraiment les prochains dons serviront à... Il y aura plus de concret parce que déjà j'aurais reçu l'aquarium et de deux ils serviront vraiment à financer les poissons eux-mêmes. Et ça fait bizarre quand je dis tout ça mais je sais. Mais du coup ça va être cool, ça va être super cool, j'espère que ce petit projet vous plaira. Moi j'aime bien, ça me motive aussi à faire les lives et en ce moment du coup j'en refais pas mal. Donc merci à vous tous. Non on va pas faire des coudes, on va s'arrêter là, c'est assez tard. Je perds ma voix parce que je suis pas habitué à refaire des lives aussi longs, des lives de 3 heures comme ça, avec seulement 2-3 petites pauses. Enfin, bah seulement 2 notamment. Mais j'espère que vous avez passé une bonne soirée. On se retrouve rapidement en live. Demain soir, il y a le live de Sifano, là, je sais pas si j'y serai. Du coup, je sais pas si je ferai un live aussi. Du coup, peut-être pas demain soir, mais en tout cas, à partir de lundi, à mon avis, au moins ça me laissera un petit peu le temps, ça me laissera ma soirée libre demain si jamais je fais pas de live. Et on essaiera comme ça de se retrouver. Je l'ai dit, du El Volant, du Minecraft, du Life is Strange et d'autres petits jeux comme ça. J'espère que ça vous plaira. Allez, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présents et passez.